l'esprit de Shia LaBeouf est avec moi. Il m'a tout dit, il m'a dit just do it, alors je le fais. En descendant Vega, vous avez ouvert un portail direct au cœur de l'enfer. Vous allez devoir trouver la source de ce pouvoir, le puits. De creuser vous permettra d'absorber l'énergie du puits, de contenir la puissance de l'UAC pour de bon. On termine tout ça, Fissa. Ça rime. Là, vous pouvez voir déjà le nom d'Enur. C'est la première fois qu'on le voit, le nom d'Enur. Là, faudrait pas que je... Ah, mais je crois que j'ai déjà eu le trophée historien pour avoir raté. Enfin, bref. Je vous expliquerai pendant le générique si vraiment on trouve pas d'indice sur... C'est quoi ce lieu et qui était. Mais ça devrait... Ça m'étonnerait. Le puits. Ouais! Des chevaliers de l'enfer, non, pas des barons, ok. Oh merde, je ferai ça plus tard. Ah, il y a quand même des secrets. Tu es 25 démons DBFG. Écoute, de ce côté, interrupteur crâne. Tu es deux barons infernaux d'un ceinture. Bah, ça, faut y aller au BFG. Hein. Parce que one-shot deux barons, mec. C'est pas possible. Déjà là, ça, vous vous trouvez suspect. Déjà là, vous trouvez ça suspect. Déjà ça, c'est nous. Bah, c'est notre armure en tout cas. Après, si c'est nous à l'intérieur, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est notre armure. Et quoi là? Ah non, c'est le reflet du truc. Et ça, c'est la tête d'un cyberdémon, au passage. Il est long le niveau? Ah ouais. Grâce à cette lunette, en fait, j'ai des munitions améliorées. Ça se fait toujours en enfer, en fait, putain. Oh, niquez-vous, hein, sérieux. J'aurais pas un cul. Taïo ! Oh. Ta gueule. C'est TP, date TP. C'est vraiment des TP que je fais. What? Encore un. Oh là. Mais laissez mon cul, laissez mes petites fesses tranquilles. Il est pas mort.
Je confirme. Non, c'est le putain de Pinky qui m'a eu. Bon. Attends, ça va me le prendre plus tard. Souci, c'est qu'après, j'ai l'impression qu'il y a vraiment plus personne, quoi. J'en chie pour trouver des gens. Parce que c'est juste des putains de fils de pute de hymne de merde qui adorent se planquer et sortir au moment pour me foutre une boule de feu de tricky, sneaky de la muerté, en lobé en plus. Ah, mais putain, les rois des fils de pute, ceux-là. Eux aussi, ils sont bien placés dans mon classement. Ta race, quoi. What? Non, mais juste what, toi. Parce que là, il y a un moment, faut arrêter ces conneries. Et je l'ai fait taper trop tôt. Toi, t'es jeté sur moi, c'est... ta gueule, toi, je fais ta gueule. Mais sérieux, c'est vraiment fini, quoi. Putain, en fait, je pouvais tout faire avec le berserk, oh là là. Rien que déjà cette arène de merde, elle a réussi à me gaver. Donc là, eux, ils vous rappellent quelque chose aussi. Ils sont BFG, moi. Alors, si on a assez libre comme ça... Tingo. Oh putain, le niveau c'est un bordel. La collecte est à distance de l'unité de... Celui est constitué de ruines maudites d'une civilisation aujourd'hui disparue. Un monde conquis, puis absorbé par la dimension de l'enfer. La bataille livrée pour le contrôle de ce territoire est de grande importance, puisque la propagation ou de la domination de l'enfer s'est largement accélérée suite à l'absorption de cette région. Le plasma argent qui émane de ce lieu traverse une brèche dimensionnelle pour arriver sur Mars au niveau de la fracture argent. Tous plieront sous l'hégémonie de l'enfer. Notre pouvoir est absolu. Notre victoire est inévitable. Devant nos armées, les esprits élémentaires d'argent dénure furent surjugués. Dans notre immense victoire, les sentinelles nocturnes, protecteurs des esprits, furent trahis par l'un des leurs. Et le misérable pleura alors que nous dévorâmes son monde et prîmes la possession du puits.
traîtrise mère de toute chose par nous sera répandue. Puissiez-vous pourrir en enfer, tu sais. D'accord. Et alors voilà, je vais vous expliquer ça tout de suite, ça me fera une petite pause. En fait, vous, donc Doomguy, vient de cette civilisation. Donc la civilisation, on sait pas du tout comment elle s'appelle. On sait qu'en fait, Doomguy est une sentinelle. Donc c'était en fait... comment il s'appelait c'était une sentinelle nocturne en fait. Donc c'était là l'espèce de templier que vous voyez. Et ben en fait, Doomguy est l'un des leurs. Donc son armure a été craftée apparemment, enfin a été forgée en enfer, on ne sait pas par qui. Et en fait, à ce que j'ai compris... Donc le peuple, donc la civilisation de l'époque, contrôlait les démons, c'est-à-dire en faisant des sacrifices régulièrement, il me semble. Et en fait, les sentinelles protégeaient pour éviter que les démons ne fassent des conneries, en fait, et si les démons dérapaient, bah eux, ils intervenaient. Donc en fait, eux, c'était des espèces de combattants, des espèces de paladins, de protecteurs, voilà. Et ça vivait bien. Un jour, il y a une sentinelle donc qui a trahi les leurs et qui a en fait tué, il me semble, elle a décimé toutes les sentinelles. Et en même temps, eh bien, en fait, elle a libéré les esprits. Donc les esprits, c'est en fait les démons. Et les démons ont pris le contrôle donc du puits. Et la civilisation a disparu. Le dernier de cette civilisation, c'est vous. Donc c'est Doomguy. Donc Doomslayer. Il faut que j'arrête de l'appeler Doomguy, il faut que je l'appelle Doomslayer parce que c'est Doomslayer maintenant, c'est tueur de mort. Et en fait, apparemment, alors là c'est apparemment, on ne sait pas s'il y a un codex qui dit ça ou pas, mais en fait apparemment Doomslayer, donc votre personnage, n'est d'autre que le fils du traître des sentinelles. Donc en fait, quand il dit qu'il cherche, alors, il y a deux théories, il y a soit la théorie qu'en fait c'est le traître lui-même qui chercherait à se repentir, ou alors il y a la théorie qu'en fait c'est le fils du traître et c'est pour ça qu'en fait son père ne voulait pas le tuer mais il l'a simplement enfermé tout simplement parce que il voulait pas peut-être pas tuer son fils en fait. Donc du coup voilà, c'est ça le grosso merdo l'histoire. Venez plus me dire qu'il y a plus de scénario parce que sinon je vous encule. Vraiment. Il y a encore 3 artefacts apparemment. Donc on va trouver tout ça. Donc du coup, oui, voilà, en fait, on n'est pas totalement humain. Voilà. On va dire ça comme ça. Non mais retentez hein, vraiment, mais des petits fights comme ça, moi je n'ai rien à foutre. Donc du coup voilà en fait, c'est pour ça qu'en fait vous connaissez les démons, c'est pour ça qu'en fait vous savez ce que c'est l'enfer, et c'est pour ça qu'on voit des statues de vous partout. Mais c'est vrai hein, vous avez vraiment tué un titan, tous les exploits qu'on raconte sur vous sont véritables bien entendu. Donc en fait, le tueur de borne et d'autres jeux. Oh non. Ces cacos de merde vont me casser les couilles. Cette roue d'armes de merde va me casser les couilles. C'est que j'ai plus beaucoup de munitions. En tout cas, le niveau c'est un bordel monstre. Nethering ma belle.
crois que c'était une tête. And the wing my on va aller en... On vient de là, c'est ça. Attends, what? Non. On vient de là-bas. Ah. Peut-être quelque chose en bas. Merci. Tuez-le. Non. Tu rêves, toi. Oh, fuck. C'est tellement... Maintenant, j'assure pour prendre mes armes. C'est jamais. Bon, j'ai vu le code damage. Vu qu'il n'y a pas la musique qui dit qu'il n'y a pas de musique, ça veut dire qu'il n'y a pas encore de combat. Et comme par là, la musique qui apparaît. Dégage. Dégagez. Dégagez. Venez. Monte. Oh, oh. Putain, tu le saoules. Eux ils viennent, ils pardonnent pas. Si t'as pas assez de vie, ils pardonnent vraiment pas. Et en plus, il a spawn à côté de moi, je l'ai pas entendu deux secondes quoi. Il y a même pas de pouvoir ici, j'ai pas trouvé de pouvoir ici. Parce qu'il y en a pas. Ah si. Il faut l'empêcher de les libérer. Quoi, mais fils de rat, quoi, putain de PD de culé de ta mère de hymne de merde. Non, faut arrêter, quoi. Je veux bien être gentil, mais voilà, quoi. Regarde ça, c'est caillou, je suis content.
sale PD, putain. Culé de ta mère. Dégage. Oh là là, mais c'est trop. Désolé, mais je réfléchis pas. Bon. C'est pas ça. Oh merde. Les soucis arrivent. Dégage. C'est fini. Du bien. Les esprits élémentaires, s'ils existent toujours à Argent de Nure, ont sans aucun doute été corrompus par le pouvoir de l'enfer. Des descriptions des bêtes suggèrent qu'elles étaient déjà terrifiantes avant toute emprise démoniaque. La protection de ces créatures était à la fois une mesure de maîtrise de la puissance qu'elles généraient, mais aussi une défense à leur encontre. D'où la présence d'un ordre de guerriers protecteurs en lieu et place d'une simple caste religieuse. Plusieurs tablettes décrivent le culte des esprits comme une nécessité pour éviter leur colère. Le codex Ungar rapporte plus spécifiquement l'appel de l'esprit, le signe qu'un esprit approche, qui causait la panique et la terreur parmi la population d'Argent des Nures. Il est également probable que certaines cérémonies sacrificielles étaient liées au culte des esprits. Voilà. Donc en fait, ils faisaient des sacrifices pour les calmer, et ils louaient un culte en eux, histoire de les calmer en fait. C'est tout. Merci putain. Prendre pas ça sur le temps. Oh là. Bah, elle est ultra grande. C'est un quad damage, ok. Oh. Quoi? Ah, il est derrière! Manette de merde. Je ne peux m'empêcher de rire. Tu le vite fait, voilà. Je le tire de là, sinon je... Enculé de ta mère. Amicalement. Antoine, alors. Putain, faut ouvrir la porte. Il y a forcément de l'arme.
Ah mais la manette. Je sais même pas d'où je suis. Je sais même pas où je suis. Et des fois j'ai la tête de ma mère, des fois j'ai vraiment l'impression qu'il pré-shot. C'est pas possible. Alors le mec, il viserait volontairement légèrement à droite. C'est abusé quoi. C'est abusé. Oh là. Faut le prendre plus tard le quad. Je l'ai mal pris. Allez, encore 3. Vache, fils de pute. Les gars, il va te saillir! Bataille, là! C'est pas fini. Oh, oh. Je suis mort. Je suis tellement mort. J'ai plus de vie, plus de vie, plus de vie, plus de vie. Allez! Crache-moi de la vie!
dégage. Dégage. Fini. Fini. Allez, 5. Du coup, merde. J'ai fini ça aussi, voilà. Du coup, ça fait que je me retrouve... En fait, je me retrouve avec 1, 2, 3, 4 masterises à faire. Voilà. Oh, it's Kushi. What the fuck? C'était quoi ce bruit de jouissance de ouf là? Les sentinelles nocturnes résistèrent face à nos légions. La conquête d'Argent des Nurs, nourrie par l'énergie spectrale, était déjouée sur tous les fronts. Mais à notre heure la plus sombre, un modeste prêtre de l'enfer vint à nous. Les conseils de Deg Grave nous permirent de trouver une faille dans le paganisme des sentinelles nocturnes. Un marché fut donc conclu. Deg Grave permettait le retour du fils unique du traître. Voilà, mort sur le champ de bataille en échange d'être conduit à la source de leur pouvoir, les esprits élémentaires. Menés par le misérable traître, Deg Grave et sa cabale maudirent les esprits pendant leur sommeil et utilisèrent leur essence pour notre propre dessein. Ils formèrent ainsi le puits, qui sema le chaos chez nos ennemis. Ainsi la cité d'argent et leurs fausses idoles tombèrent sous la puissance impie des traîtres de l'enfer. Le fils du traître revint alors à la vie, sous notre forme, et l'icône du péché fut apportée aux païens. Sa vengeance fut rapide et sans merci, car la monnaie de la trahison n'est que la souffrance. Suite à la chute d'Argent des Nurs, leur royaume tomba entre nos mains. Leurs temples et leurs runes, leurs pierres gravées et leurs édifices, tout fut absorbé par notre royaume en tant que trophée et symbole de notre triomphe. Voilà. Donc on est le fils, on est bel et bien le fils du traître en fait. Donc c'est un peu compréhensible pourquoi tu tires un peu la tronche.